17h dans tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33 Port-au-Prince. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous jeudi matin pour nous capables présenter au deuxième sortie journal là pour ce matin. Et déjà, nous souhaitons passer un très bon mardi sous télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité, plusieurs acteurs politiques réagissent après choix Jean-Henri Séan comme un nouveau premier ministre pays. N'a gagné pour nous capables de suivre partie dans le journal là sous personnalité si là. Banque interaméricaine pour développement BID a lancé officiellement lundi 6 d'août là enquête Robocal là. Projet ça vise collecter information sur zak violence qui fait sous femme actif et puis ouais ça qui motive yon série citoyens déplacés qui des zones côté yota vivre là. Activité programme national sécurité transfusionnelle a réalisé des défis à rencontrer à perspective l'été dans la présentation responsable dans l'occasion 51e conférence lundi avec la presse ministère communication organisé lundi 6 d'août. Et puis à l'étranger, deux gros défis a ravagé nord et en Californie depuis lundi. 114 850 hectares déjà passés à bas flamand d'Ifesayo, c'est plus gros d'Ife dans l'histoire état-là dans le pays États-Unis. C'est grand point ça que nous avons porté pour le journal la matinée là, n'a pas de pause, pas déplacé, n'a pas de talent. Merci pour fidélité et attention à l'édition nouvelle si là. Nous retournons pour développement information yo. Et nous te disons dans grand titre après consultation avec le président deux branches dans le Parlement haïtien, sénateur Joseph Lambert avec député Gary Modo, président républicain Jovenel Moïse a choisi citoyen Jean-Henri Séan comme nouveau premier ministre paysan qui va remplacer Dr. Jacques-Guy Lafontaine. Ils ont arrêté sorti dans le journal officiel payant le moniteur, confirmé choix noté Jean-Henri Séan comme premier ministre payant. Prochaine étape là, c'est par la présentation déclaration politique générale, premier ministre là devant Parlement haïtien avec tout membre cabinet ministériel là. Après confirmation choix premier ministre là dans le journal Le Moniteur, noté Jean-Henri Séan dit lui remercier président République là pour être lui choisi là comme premier ministre. Pays. Qui est ce Jean-Henri Séan? Qui pas couli? Sal étudier? Qui activité l'a mené? Question ça va pour prendre dans un papier avec Sabine Jaïtienne. Annoncé. Jean-Henri Séan fait dans le Quadre Bouquet, commune Tabar, dans la date 27 septembre 1956. Jean-Henri Séan marié avec Chantal Volsi. Il y a 4 petites, 2 filles, 2 garçons. Après études primaires et secondaires, Jean-Henri Séan fait plusieurs études, d'un coup, comptabilité, statistique, informatique, espagnol, pour venir bout dans la faculté droit et sciences économiques, Université d'État d'Haïti, dans Port-au-Prince, côté il prend une licence dans droit. Il fait spécialisation dans droit notarial pays l'Espagne, dans l'Université Pontificale de Comillas. Il recevra l'autre formation sous plan international dans le domaine fiscalité, documents électroniques, citoyens, pour ne citer ça seulement. Jean-Henri Séan commence à pratiquer comme avocat droit civil en 1985. Pendant 10 ans, il partageait connaissances à plusieurs promotions étudiants sous question droit de la propriété dans l'université Kiskeya à Port-au-Prince. Il était enseigné tout dans l'autre institution, tant que l'École nationale d'administration financière ENAF et l'Université GOC. En 1992, il est nommé secrétaire général de l'association syndicale professionnelle Noter Port-au-Prince à SNOP, côté lycée un membre fondateur. En 1995, Jean-Henri Séan nommé représentant notariat haïtien dans l'Union internationale notariale latin. Un temps après, Livin vice-président commission Amérique du Nord, Centrale à Caraïbes, Union internationale notariat latin. Jean-Henri Séan, c'est membre fondateur et puis professeur dans l'amicale des juristes, membre concepteur et puis membre fondateur groupe à l'écoute du savoir et de l'expérience, salle conférence Franck-Étienne. Membre fondateur et puis conseiller, association professionnelle du droit. Fondateur principal, institut droit pour tout le monde. Sous plan politique,
Jean-Henri Seyan a un bon rapport avec plusieurs anciens présidents pays d'Haïti. Il fixe position publiquement en pile fois sous divers dossiers sociaux, politiques et économiques pays. Il est fondateur parti politique René Haïti qui a un slogan Tout le monde la donne. Pendant deux fois, diverses coordinations avec membres du groupement politique René Haïti choisi notaire Jean-Henri Seyan et puis encouragé le présenter comme candidat pour poste président pays d'Haïti. Dans la date 5 août 2018, le président République, Jovenel Moïse, a annoncé qu'il a choisi de faire notaire Jean-Henri Seyan vice prochain premier ministre pays d'Haïti. Une décision qui sortit après consultation avec divers secteurs dans le pays et elle est officialisée après deux séances de consultation avec deux présidents, deux branches parlementaires, sénateur Joseph Lambert et député Gary Baudot. Lundi 6 août 2018, le journal officiel L'État, Le Moniteur, publié arrêté présidentiel qui nomme M. Jean-Henri Seyan comme nouveau premier ministre pays d'Haïti. Merci Sabine Jean-Étienne. N'a toujours été dans mes réactions. Gagné sénateur Latibonite Yuri Latortue qui dit qu'il prend note sous choix Jean-Henri Seyan, chef d'État fait Jovenel Moïse, fait pour capable venir premier ministre en pays. D'après parlementaire, M. Jean-Henri Seyan, c'est un rassemblé. Cependant, il y a tant de venir prouver compétence li et capacité li. En nous suivant extrait dans le micro, Fedner, confident avec Moïse Oudouch. Sous question de choix de M. Jean-Henri Seyan, moi pense que critère que m'ai défini au départ, yo, moi t'ai parlé de un monde qui a rassemblé monde, qui a parlé à tout le monde, et me pense que son pas positif, puisque me pense que M. Jean-Henri Seyan, en termes de rassembleur, il a commencé à faire travail là. Moi pense que ça qui est plus important, c'est que comme sénateur, nous allons vérifier le travail nous dans pièce lio et nous allons regarder dans présentation de politique générale, est-ce que, point ça, que nous parlons de lutte contre la corruption, est-ce que, non seulement, il n'y a pas cité le nom, est-ce que l'entrée la donne, est-ce que dit ça va le faire, est-ce que l'engagement la donne, Haïti en action par la majorité, t'es une majorité que fait, majorité va exister, Haïti en action a réfléchi, ou est, sous qui groupe que nous allons entrer, mais nous pas ni contre le gouvernement, nous pas ni supporter. Nous avons une position de réflexion par rapport à l'État. Toujours dans le cadre de réaction, député circonscription Mibalea Abel Descoulines, qui t'a préagi sur le dossier nomination Jean-Henri Seyan comme nouveau chef de gouvernement, souhaite respecter exigence contre un monde capable de venir premier ministre. Parlementaire fait connaître le profil premier ministre important. Toutefois, il souhaitait la prouver capacité la à compétence li pour répondre à revendication majorité population haïtienne. Toujours dans Nico, Fedner confident avec Moïse Oudouch. Nous prenons acte de nomination quant à la position de groupe 16. Non? Donc cela viendra un peu plus tard puisque nous projetons réunis jeudi en même, journée lundi, pour que nous analysions l'évolution de la situation et dégager une position officielle. Mais position, ça a le pape officiel. Pas avant que nous commençons à prendre connaissance de éléments qui pourraient constituer ce fameux cabinet ministériel. Nous autres, dans niveau l'opposition, plus particulièrement groupe communément appelé G16, nous pas pourrions voter parce que le premier ministre s'appelle Jean-Henri Seyan, nous pas pourrions voter parce que le premier ministre aurait pu appeler Evans Paul ou Edgar Leblanc, mais nous pourrons voter sous base un programme. Et lorsque nous dit sous base un programme, il ne s'agit pas d'avoir un discours pas devant l'Assemblée des députés qui promettent mon émerveille pour nous lever même pour nous voter. N'a pas tant que le personnage Jean-Henri Seyan lui montre qui ça capable offrir à payant et capable offrir à payant de manière rationnelle, de manière méthodologique, sans démagogie, sans promesse fleuve, et c'est seulement sous base considération sayo que nous autres, les députés de l'opposition, sont capables d'envisager l'éventualité de opposition.
Député circonscription Terrier Rouge, Jovenel Louis, exprime satisfaction de son choix président de la République l'a fait pour nommer Jean-Henri Seyan comme un nouveau premier ministre. Député a dit c'est un bon choix pendant souhaité pour le ministre préparer déclaration politique générale pour capable venir faire réponse à revendication population haïtienne. Elisa Kolo, à Moïse Oubri, j'étais sur place en nous suivant extrait. Par rapport à nomination médecin, d'abord, je tiens à féliciter choix ça que le président Excellence Jovenel Moïse lui fait en accord avec les deux présidents des deux chambres. Et je crois que c'est un bon choix. Médecin qui a parlé avec tout le monde, c'est un rassembleur, et son monde qui a coûté toute couche. Ça m'a dit, médecin, préparez-le pour être capable de venir devant la chambre de députés, venir devant le Parlement pour que nous retirions la population dans sa liée, journée aujourd'hui. Nous gagnons l'ouverture de classe là, qui c'est pour demain. Et nous gagnons la population qui besoin de travail. C'est que dans pile barré, capitaine, nouveau premier ministre là, m'a demandé de capable de préparer et pour être capable de répondre à des défis. N'a quitté le Parlement haïtien sous ça qui était gain pour à question choix pour le ministre là. Nous parler connia au niveau de question la justice puisque audience avec assistance juridio après poursuivre dans tribunal première instance Port-au-Prince. Doyen tribunal première instance Port-au-Prince maître Bernard Seville excuse la route là assise là qui dans troisième semaine a gagné pour lui capable route vendredi 10 d'août qu'a venir là. Maître Benan Servela, Tenamiko, Stéphanie Charles et Hervé Pierre. Je veux dire, nous avons une particularité. Nous avons 4 chambres avec le jury, je veux dire. Il y a des cas qui t'attendent lundi à témoin, pas de cavine, je veux dire. Nous avons continué dans des affaires. Nous avons un 4 sans jury, ça veut dire, je veux dire, nous avons 5 chambres, assistants du jury, qui ont je veux dire, avec une sans assistant du jury. Donc, on connaît l'assistance criminelle, c'est pour juger le monde qui est reproché, qui fait crime de sang. Aller du monde qui tue le monde. Comme la loi dit, au moins, il faut une décision criminelle avec assistance de jury chaque année. Mais malheureusement, l'année dernière, nous n'avons pas bien. C'est ça qui fait année, ça nous augmenter le nombre d'audiences. Pour capable simultanément, il y a 3 à 4 chambres qui fonctionnent avec jury. Pour nous aussi, juger le monde qui a un dossier qui est en état pour recevoir le jugement. Normalement, audience criminelle avec assistance de jury, il y a fini vendredi. Vendredi, ça a fini vendredi 10 août. Semaine prochaine, nous avons fixé ça et nous avons assemblé des juges. Parce qu'on a la loi dit, le tribunal est en vacances. Ça veut dire en vacances pour civil ordinaire, roulement ordinaire. Mais la loi prévoit tout pendant le tribunal en vacances. Il faut que toujours une chambre qui est là pour attendre des affaires correctionnelles. Mais nous-mêmes, dans le tribunal de première instance, depuis quelques années, nous faisons mieux qu'il y ait une audience correctionnelle par semaine ordinaire. Nous avons profité de transformer toute salle d'audience dans le tribunal en chambre criminelle. C'est la grosse soirée, arrière, dossier, pas jamais évacué. Pendant vacances, n'a pas rien à faire civil. Nous tout transformé toute audience en audience correctionnelle et criminelle pour nous juger le monde, nous estimer le dossier au prêt, ça veut dire en état pour recevoir le jugement. Nous te disons en gratitude, Banque Interaméricaine Développement, qui est possible BID, lancé officiellement hier lundi 6 d'août, enquête Robocal. Projet ça vise à collecter informations sur Zaka violence qui fait sous forme actifie ou est sous qui ou est tout qui motivation yon se citoyen gagné pour capable déplacer quitter zone à côté ou ta vivre là. Dans le cadre de réalisation première enquête si là, qui a déroulé sorti 6 pour bout 17 d'août qui a venu là, moun qui gen téléphone compagnie Digicel a bien pour capable recevoir message côté information yon ba yo observé renseignement dans le cadre projet SILA. En nous suivant extrait dans le micro Rodney Doléa à Kevin Pierre. Dans le cadre du projet en question, la BID cible à obtenir des informations d'une part sur la violence faite aux femmes et aux filles et d'autre part sur les motivations des flux migratoires internes. Ces données serviront à comprendre la situation des femmes dans les zones industrielles où l'offre d'emploi attire aussi bien les femmes que les hommes.
Il convient aussi de noter l'usage du robocall, c'est-à-dire des appels préenregistrés pour obtenir des informations relatives au comportement social de la population, puisque les expériences précédentes ont eu lieu spécifiquement autour des élections ou pour des campagnes de marketing. Et bien évidemment, nous espérons que la mise en œuvre réussie de ce projet pilote et de cette technologie nous amènera à en faire un usage plus fréquent dans d'autres domaines et dans d'autres programmes et projets financés par la ville. Tout le déoquetio n'a fait yo à Digicel. Donc, nous sûrement gagnons nous qui recevons déjà un appel Digicel, un SMS, un texte Digicel qui dit nous fais attention que à partir de jeudi, n'a pas recevoir appel. Tant pis, s'il vous plaît, répondre à appel. Si nous n'arrivons pas à répondre à appel à un moment donné, dis-nous qu'un doigt peut appuyer sous yon numéro pour nous demander que appel là, que Digicel fait appel là, pita. Aussi, moi, je veux dire que appel yo anonyme et confidentiel. C'est-à-dire que anonyme, nous-mêmes, nous ne pouvons jamais voir numéro de téléphone. Nous pas jamais connaître nous ni même qu'on adresse nous confidentiel réponse yo nous pas jamais divulguer réponse yo yon ba yon. Ça n'a fait n'a mettre toute réponse ensemble pour nous analyser yo. Donc appel yo confidentiel et anonyme, nous pas besoin peur. Toute fille et tout garçon qui recevoir on appelle tant pris s'il plaît répondre. Directrice générale l'autre l'État haïtien, Margaret Fortuné, annonce une série de mesures qui pourraient appliquer pour capable contrôler jouet à hasard sur tout territoire national. Margaret Fortuné rappelé accord qui signe entre l'autre l'État haïtien et association tenant ses bolettes sur contrôle jouet à bolette hasard dans le pays d'Haïti. Directrice la Margaret Fortuné m'a dit tenant ses bolettes yo passer retirer licence et autorisation yo dans occasion rentrée nouvelle année fiscale là. Annonceuf. Dans accord partenariat entre LEH et ANN 26 juin 2013, son ancien directeur général Lotrian, Jean-Frise Jean-Louis. Selon l'article 7 dans accord, ces deux parties yo doivent mettre tête yo ensemble pour vendre fiches. Chaque bloc fiche coûtait 50 gouttes, là-dedans 15 gouttes pour ANTB, 15 gouttes pour DGI, 20 gouttes pour LEH. Ça qui pas jamais respecté pendant 5 années, parce que tout le monde connaît, bloc fiche l'État a débloqué 1,5 million 500 000 dollars américains pour te faire le long dépôt. L'année fiscale là pour arriver, tout tenancier, tout le monde qui a fait jouer Tazan dans le pays, hein, doit passer retirer autorisation yo, ou bien permis de fonctionnement. Yo. C'est comme ça que l'autre est capable de jouer un moyen pour répondre à la mission comme ça doit. Et puis continuer le travail dans transparence pour permettre l'État rentrer comme et puis porter assistance li dans la population. Il faut que nous annoncions tout parce que le secteur recouvrement, nous entendons dans la presse, qui a un pire problème. Direction générale là, direction commerciale et marketing dans l'autre rien, mais prend disposition, fermer section recouvrement ça et remplacer par une autre section qui c'est inspection et contrôle. Il y a bien code, il y a bien numéro, avec dit détracteur ou bien raqueteur, papa rançonné, financier avec mon cap fait, je vais t'asa ce territoire. La section ça a bien fil là-dedans, on a bien pile jeune femme là-dedans avec garçon qui a recevoir une formation pour permettre yo bail service en plus bien à moun k'ap fè jwèt là. Nous te dire tout dans grand titre dans occasion 51e conférence lundi la presse ministère communication recevoir lundi 6 d'août là directeur programme national sécurité transfusionnelle dans ministère santé publique et population docteur Ernst Noël qui te gagne ensemble avec lui conseiller technique programme cela docteur Regina Moïse Nerette. C'était occasion pour responsable programme nan présenté objectif PNSTA activité y a réalisé à travers programme là
défi yo rencontré, perspective yo gagné, à qui yo capable sensibilisation pour capable encourager moun yo vin bay san. An osevyo ekstrem. Organisé à régulier pour responsable programme n'a présenté objectif PNSTA activité y a réalisé à travers programme là défi y a rencontré perspective y a gagné à qui a capable sensibilisation pour capable encourager mounio vin baissant en nos suivant extrait. Organiser à réguler le système transfusionnel là, augmenter quantité de données volontaires et bénévoles à 100%, réduire à 0% taux infection qui peut transmettre dans la transfusion, permettre la population de jeunes sang qui gagne qualité en quantité dans le moment besoin, renforcer strictement transfusion dans le pays. Selon le directeur PNSTA, Dr. Hans Noël, qui a profité occasion pour présenter la situation pour le premier semestre année 2018 là, il y a 35 côtés qui sont capables de jeunes sang. Yon centre national transfusion sanguine, 14 postes transfusion sanguine à travers pays a avec 20% qui en dans l'hôpital. Donc 19 294 qui te vle bay, c'est seulement 13 360 qui rive bay. Nous et parmi moun ki rive pochette que nous collectons, 13 360 là, combien nous rive utiliser vraiment, c'est seulement 12 313. Parce que l'autre ça n'a pas utilisé yo l'al fait dépistage sang pour aller regarder est-ce que sang yo capable bailler l'autre monde ni yo capable joindre un marqueur infectieux qui capable soit HIV soit syphilis soit hépatite B soit hépatite C soit HTLV1 HTLV2 qui c'est des virus que yo y si yo joindre trace yo pas capable utiliser sans ça. Nous gagnons 1047 pochettes sans obligé mettre sous côté parce que sans ça n'a pas capable bailler monde. Dans la même période, ça, que nous avons seulement 19 294 personnes qui sont en vie baissant, qui ont 25 199 personnes qui ont besoin de ça. Difficulté pour arriver à atteindre l'objectif à travers PNSTA en pile. Mission nombre, sensibilisation à collecte mobile, ajouté sous côté. Ce n'est pas tout le monde qui veut baissant, qui a baissant. Qui condition pour qu'on a rempli pour le cas baissant? Premièrement, nous avons l'âge, nous avons monde qui veut baissant. Il faut gagner entre 17 et 65 ans. 17 ans et 65 ans, pour qui ça? Mon nom est donneur lié, donc la vie est don. Donc, c'est très important pour nous que nous connaissions de donneur là, que nous avons constamment éclairé. Que nous comprenions, pour le comprendre qui est important, geste que nous venons faire. Deuxième condition, c'est pour mon nom. Il faut nous connaître quantité. Quand le sang circule dans le corps, mon nom est proportionnel avec le poids. Moins vous pesez, moins vous avez le sang circule. Donc, pour les gens qui viennent de sang, il faut poids pas plus petit que 50 kg. Ou bien, si nous voulons un livre, il faut poids pas plus petit que 110 livres. Docteur Hans Noël fait connaître et travaille pour améliorer le système. Réviser plan promotion, communication et marketing, améliorer l'infrastructure dans le contexte. Les 7h30 dans tout studio TV National d'Haïti de Ma 33. Il arrive un moment pour nous capables d'aller, mais avant nous dire, il permet que nous rappelions un grand point qui a dominé l'actualité. Plusieurs acteurs politiques réagissent après choix Jean-Henri Seyan comme nouveau premier ministre paysan, président de la République, Jovenel Moïse a fait. Nous te suivons dans le journal, un papier spécial sur qui est Jean-Henri Seyan. Banque Interaméricaine pour Développement BID a lancé officiellement hier lundi 6 d'août là enquête Robocal. Projet ça vise collecter informations sous acte violence qui fait sous femme actifi et puis tout garder qui ça qui motive un groupe citoyen déplacé quitter zone pour aller vivre de l'autre côté. Activité programme national sécurité transfusionnelle a réalisé défi l'a rencontré à perspective l'itinéraire présentation responsable dans occasion 51e conférence lundi la presse ministère communication organisée hier lundi 6 d'août là.
Et puis à l'étranger, deux gros différents ont ravagé nos États Californie, pays États-Unis depuis hier lundi. 114 850 hectares déjà passés en bas flamant différents. C'est pico différent dans l'histoire États dans le pays États-Unis. C'est grand point ça que nous te porté pour dans journal là jeudi mardi, nous vraiment te content ensemble avec vous pour te capable informer ou livrer seulement pour capable souhaiter passer un très bon mardi sur télévision nationale d'Haïti. Bye bye tout le monde.